Plop les gens, de retour sur Dandara. Donc j'avais commencé la semaine dernière, j'avais fait deux épisodes, et là, comme par hasard, ou pas, je sais pas, il y a une nouvelle édition de Dandara, Trials of Fear, qui est apparemment une extension gratuite, mais je suis pas sûr. Et je voulais enregistrer, mais dès que j'ai cliqué sur un bouton, ça a disparu, donc j'ai pas pu le mettre dans la vidéo. Mais il y avait un petit texte, que du coup j'ai même pas lu, qui expliquait, apparemment il y a des nouveaux raccourcis, des nouvelles manières de fonctionner à la souris. Mais du coup, bah, ça sera pas en vidéo, parce que dès que j'ai cliqué sur mon painting pour enregistrer la vidéo, j'avais même pas le temps de finir et c'était déjà parti. Bref, donc Dandara, Trials of Fear, nouvelle édition du jeu, je crois. J'ai rien compris, en vrai, quand j'ai lu l'annonce. Mais en regardant la vidéo, j'ai l'impression que c'est une suite au final, que ça a grandi l'aventure. Donc si c'est le cas et que ça donne l'impression que tel boss final, mais il y a un vrai boss final maintenant, j'irai jusqu'au bout, sinon on verra quoi. Donc escalier de la tour, on en était là. On va commencer tout de suite. Je ne vois pas quoi dire de plus pour le moment. Désert des réminiscences. Donc on était allé là-bas et maintenant les squelettes nous font, nous font des choses. C'est peut-être mal dit. Ah oui. Ok, je voulais juste voir pourquoi il y a un truc bleu là-bas en bas. Ok, c'est les ascenseurs. Donc ici et là-haut, c'est les ascenseurs. Très bien. Ok. Voilà. Ouh. Quoi? Je ne l'avais pas vu. Alors. Pourquoi je reviens en arrière? Enfin, je sais qu'il y avait des squelettes là. C'est de curiosité et de création. Ah! Ok, par exemple, lui m'explique bien que quand il y a un squelette avec un crâne avec un truc, ça fait ça. D'ailleurs. Ah, d'accord, maintenant il y a deux. Ou alors c'est que je les avais pas vus, mais il y a deux curseurs. Il y a deux curseurs qui m'indiquent à quel point je vais à fond. Ce jeu me surprend beaucoup sur les secondes. Et donc là, après m'avoir montré de manière safe, il me montre de manière où faut que je passe quoi. Donc ici, j'ai pas été tout dans cette pièce là. Donc va falloir que j'y retourne. Mais je peux retourner en bas, si ça se trouve, ça va libérer le passage. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ok, on peut plus ou moins passer par là. Oui, là. C'est un peu bizarre, cette plateforme avec le crâne, mais... F comme fin et fun. Ah, du coup, maintenant, les trucs, ils tournent. Ok, enfin. Et là, ça doit être ici. Où j'ai la manivelle. Ah, ça casse carrément la manivelle. Et on peut revenir. Non, mais j'ai pas de sous.
Les souvenirs. Ah, du coup, ça m'a remis au début. Les souvenirs. Ah, voilà. Rocher du souvenir, un rocher des anciens chemins. La réminiscence de l'ancien temps s'activera et résonnera par sa seule présence. Ok. Donc maintenant, j'ai un petit raccourci. Ah, pas cool. F5. Genre là, oui, mais ça sert pas à grand chose. Ah, ça marche pas de F5. Avec l'erreur 2000, normalement ça marche. Du coup, j'ai pas lu le nom de la salle, mais. Je ne sais pas. Contrôle F5. B comme boss et bord. Et c'était quoi la salle d'avant? Du coup, je n'ai pas vu. Quartier d'un amour lointain. Voilà. Alors. Oui, la salle est bien divisée en deux. J'ai pas été. Ouais. Ah, c'était ça que j'avais pas compris encore. Punaise, la galère. Ok, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'elle fait avec la potion? Et oui, il faudra revisiter plus ou moins toute cette zone-là. Ouais, tout ça. Et ce passage en bas où je n'ai pas pu aller parce que j'avais pas compris comment ça fonctionnait. J'ai une potion à la main. C'est parce que j'ai plus ma vie, c'est ça? Ils ont changé ça? Non, c'est... Ok, c'est parce que... C'est un bug graphique parce que... Parce que j'étais en train de me soigner au moment où je suis mort. Je pense que c'est ça. Je vois pas pourquoi elle ferait du checker avec la potion tout le temps, sinon. Coin de la question non posée. D'accord. Pose-la toi, peut-être, la question. Est-ce pour les souris et souffrances? Bah on va passer en bas, oui. Chose à la fois. Ah non, c'est juste pour les tirer, d'accord. Quartier d'un amour lointain. Montrez-moi vite ce que c'est là, c'est...
Arbre de souvenirs fait surgir depuis le passé oublié un faisceau dangereux qui peut éclairer de nouveaux chemins. Ok. Ok. Maintenant qu'elle a toujours sa grenade à la main, ça me fait bizarre. Est-ce qu'on remonte? Non, on essaie de prendre le couloir, donc bien par ici. Tunnel de l'invisible. On voit qu'il y a le sprite, qu'il y a deux sprites l'un sur l'autre. Bref, je veux aller à droite. Ça m'a l'air d'être une pièce plus ou moins bloquée. Ce cadre vide a été préparé pour un tableau. L'inscription dit « J'aime ce que je fais, j'aime avec qui je le fais ». Okay, maintenant il y a des... passages... Ok. Alors... Donc soit on peut venir là, soit on peut aller de l'autre côté au-dessus. Ouais, bah on va revisiter, vu que c'était la semaine dernière, j'ai plus beaucoup de souvenirs des pièces du coin, de celles qui méritent de passer. Ah, par exemple, celle-là, elle était standard. Là, je suis de retour ici, donc il n'y a pas grand intérêt. Ah, du coup, je peux plus passer. Parce qu'avant, je passais par ici. Oui. Je suis passé par là, mais maintenant, ça ne veut plus quand je suis proche. Mais ça m'autorise à passer par en bas. Il faut faire... Je prends la souris, si elle veut bien. Il va falloir que je fasse tout ce chemin-là. Si je veux revenir ici voir ce qui se passe. Et ici voir ce qui se passe. Je pense pas grand chose en plus, mais... On va être obligé de vérifier. Hein. Oh. Alors, la première porte, ok. Oui, bon, on va passer par la première porte pour le moment. On essaie d'être méthodique. Il se passe quoi? Ok, maintenant il y a tout ça.
Ah. Bon. D'ailleurs, c'est bien parce que ces animations, ça marche pas pour enlever les. Et voilà, suffisait de prendre une potion et ça enlève le l'animation pourrie. Une jeune fille aux longs cheveux roux regarde la fin du monde. Alors, je suis ici. Je peux aller récupérer le drapeau. Ok. Ici, il y a bel et bien des choses à voir. Mais c'était la suite logique. Moi, ce que je veux voir, c'est s'il y a des choses là où c'est un peu moins évident. Donc là, c'est la même pièce que tout à l'heure, mais... Mais on aurait pu oublier un coffre caché ou je ne sais quoi. Alors, maintenant, est-ce qu'on va en haut à droite puisqu'on a l'air de voir s'il y a un coffre. On va vérifier si on peut atteindre le coffre. Et la porte. D'accord. Ok. Donc là, on peut aller à droite. Je crois qu'on peut aller à gauche, qu'on a déverrouillé. Non, on va continuer, on va aller là où le jeu nous dit. Je pense qu'on fera le backtracking plus tard dans tous les cas. Donc, autant avancer pour le moment. D'ailleurs, potion. Il me reste deux. Trésor. Jusque là, ça avait l'air simple. Cette pièce. Essence de sel, utilisez le proche de votre cœur pour retrouver votre force. Alors, vu la danse qu'elle nous a fait pendant.
Y a rien d'autre ici. Ok, tout ça juste pour une potion, mais... Est-ce que je peux aller? Cette salle elle est horrible. Ok. J'ai pas été justement ici, je crois. Faut que je vérifie. J'aurais dû y aller. Oui. Ça fait quoi ça? C'est bizarre. Ah si, ça me dit quelque chose en fait. J'ai dû déjà y aller. Je ne sais plus si j'avais tout vu. Évidemment que oui. Bon, au moins, c'est fait. D'ailleurs, j'ai vu que sur Dandara, on pouvait choisir... choisir si on, enfin il y a une option apparemment pour choisir si on veut beaucoup plus de checkpoints. Pourquoi je vais aller là alors que je pourrais passer par la gauche? Ouais, de là où j'en suis. À quoi ça sert d'avoir les squelettes là qui ont l'air contents. Donc là on arrive d'ici. Non, c'était pas là que je voulais. Enfin oui, mais après. Et il y a aussi une option, ou alors c'était le New Game Plus, pour ne pas pouvoir farmer du sel sur les ennemis, tout ça. Oui. Alors, ça c'est fait. La gauche c'est fait. La droite c'est fait, mais on a hésité, donc on est au courant. D'accord. Excusez-moi. J'aurais pu m'échapper. Vite, potion. Potion.
Ok, il me reste deux. Pourquoi je peux pas remonter? Je suis obligé de faire tout le tour du coup. Putain, mais j'en viens. Ok. Ok, une potion pour rien. Pour la peine, on tape des caisses. C'est bien là. J'étais content à l'aller, j'avais l'impression que c'était fait exprès pour aller pour que ceux qui vont le plus vite possible passent dans tous les cas, mais en fait non. Je sais pas à quoi ça servirait d'aller à gauche là. C'est quand même assez bizarre cette zone. Où on peut juste se faire taper proche, mais c'est tout. Ça m'a tellement posé de questions que j'y suis allé pour rien. Au moins, j'aurais vérifié ou revérifié. Oh non, c'était pas là. Pourquoi aller à l'endroit simple quand on peut aller à l'endroit compliqué? Ah mais oui, mais... Non. Quoi? C'est mieux. C'est bel et bien à gauche que je veux aller. Il n'y a rien à dire. Je voulais essayer d'aller à gauche. Non, en bas. Oui. On va essayer. J'ai déjà été ici. J'ai l'impression que cette salle ici, par contre, je l'avais pas faite entièrement avec les squelettes. Impression, souvenir, je sais pas trop. Bref. Là. Qu'est-ce qui est intéressant? Je peux aller au...
elle est là pour le moment. Ah, Lazuli. La déesse des réminiscences n'est plus ce qu'il était. Le désert des réminiscences n'est plus ce qu'il était. Et cela m'afflige que tu le vois dans cet état. Eldar endommage le sel dans cette région désolée, où l'on garde des souvenirs immémoriaux et où l'on se souvient du passé. Un ami très sage, gardien du temps et de la mémoire, réside ici. Son chagrin n'a d'égal que son savoir. Si Eldar parvenait à ses fins, son savoir disparaîtrait et s'éparpillerait dans l'oubli. Ok. J'ai l'impression que c'est une cinématique que j'aurais dû avoir plus tôt. Parce que j'ai déjà vu un monsieur qui avait l'air gentil. Alors, oui, la zone de départ. De cette zone. Ah si, j'avais déjà tout. Du coup, c'est pas grave. Est-ce que j'ai des sous? Pas suffisamment. Souvenir, non, on dirait pas plus que ça. Alors à gauche. On va déjà aller à l'endroit. Ah, là il y a un truc. Un ensemble d'objets étranges a été enterré. Au moindre contact, ils tombent en poussière. Impossible de les inspecter de plus près. Ok. Bidon. Escalier du cœur brisé. Ok, là il y a plein de caisses. Cinquantaine de grains de sel. Attendez.
Ok, ça me fait des dégâts à moi-même. Et il faut une potion là. J'ai fait suffisamment de nains. Entrepôt labyrinthique. Ok. On va essayer d'aller en haut à gauche. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Ok. Ok, il va falloir aller en bas à gauche aussi. Hein? Ça creuse un trou. Tout en bas. Là. Voilà. Non, pas aussi loin. J'avais oublié que je pouvais leur tirer dessus, même si ça leur... Même s'il revenait, ça me laissait passer au lieu de prendre un dégât à chaque fois. Corridor de la naïve. C'est pas une raison, c'est pas parce qu'elle est naïve que... Hein? Tout ça pour un punaise de coffre où il y aura j'aurai une potion de plus, c'est ça? Ça ressemble, hein. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Après une potion de plus, ça veut dire beaucoup de PV en plus, vu que les potions sont pas mal améliorées. Oh. Bon, j'irai. Je vais pas revenir jusqu'ici pour le moment, en tout cas. Qu'est-ce que je peux voir ici que je n'ai point vu? Enfin, quoique. Parce que là, j'ai. Je suis retourné de partout, en fait. Il me semble avoir tout exploré et même réexploré. Ah oui, non, c'était ici. Je crois que celui que je. Oui, c'est là. Bon ben on rentre.
de là. Il me semble que ça donne pas grand chose quand on les a déjà ouvertes. Voilà, on parlait de santé, je pense que... Enfin de potion, voilà. Maintenant il va y avoir la santé, et puis l'essence et tout. On verra plus tard pour l'équivalent mana. Oui. De mémoire, ici, il n'y avait pas grand chose. Ruine du portail couvert. Ah oui. Je peux pas aller au milieu. Ok. Il me semble que j'ai vu ce boss dans la vidéo d'ailleurs. T'es marrant toi. Faire un perfect sur ce boss. Hein. Potion. Ouais, non, je suis obligé. T'es de géant, si tu me provoquais pas, je n'essaierais même pas de t'attaquer. Je serais juste parti, gentiment. Contrairement à la tête d'ours, chien, loup, on ne sait pas trop. Non. Voilà pourquoi il fallait passer par l'autre côté.
Ruine du portail couvert. Aïe. Pour la peine, on passe par là. Potion un peu tôt, mais c'est pas grave. Du coup, je suis plus gaffe aux petits pistolets, hein. Petit tir pourri. Alors qu'il n'y a que lui qui est censé faire être gênant. Je vais essayer ici. Hop, punaise. D'accord, on peut vraiment pas. Donc autant ne pas passer par en haut. Non, non. C'est pas beaucoup moins de dégâts. Non, ça fait pas plus de dégâts, je veux dire. Non. C'est sûr, si les speedrunners le font, ils se prennent les dégâts plutôt. Plutôt que de faire tout le tour. Non ! J'ai utilisé la potion, mais il y a le tir qui est arrivé. Oh ! Pourtant, c'est pas hyper compliqué ce boss, mais c'est de l'endurance, quoi. C'est de l'endurance. Bon, 47 minutes, on peut faire au moins une tentative, si ce n'est deux. Moi qui me demandais à quoi ça servait les canalisations pour aller au centre. Bah, j'ai bien compris maintenant. Ah, j'ai cru que ça allait être fini. Allez. Voilà.
Prendre une potion. Allez. Non. Hop là. Allez. Voilà. Enfin. Merci. Enfin, le GG. À visage dévoilé et cœur caché. Succès déverrouillé. C'est le cœur de la forêt. Ici. Le cœur fougueux. Après tout ce temps, serait-ce vraiment possible? Le cœur fougueux. Mais oui, et ça fait un bien fou. Je sens l'énergie de la vie qui palpite dans mes racines. Je fuyais la joie par peur de souffrir à nouveau. Mais tu me rappelles que la vie peut être merveilleuse. Merci. Et merci d'avoir retiré mes entraves. Je pouvais à peine bouger. Tu m'as libéré. Ah ah, j'ai des picotements dans les racines. Elles s'étendent de plus en plus loin dans le sel. Oh, même là-bas, l'endroit caché, les grottes cramoisies, où tout s'est Ranci. Tu vois de quoi je parle? Non. Je suis sûr que tu y étais déjà allé. Les gueules qui t'en ont refusé l'accès ne te feront plus de mal. Je le sens déjà, une personne très chère est retenue là-bas. À moins qu'elle ne s'y cache. Je n'en suis pas sûr. Tu peux désormais te rendre dans un endroit caché. Le côté du sel dont on ne parle jamais. Elle est encore là-bas. Je l'entendais chanter autrefois. Chaque note faisait frissonner mes racines. Mais c'est fini. Ok. Je sais pas où c'est. Alors là, je peux aller en haut. Ok. Ou je peux aller en bas. C'est sûr qu'il fallait explorer. Ok, ici il n'y a plus grand chose. C'est ça. Oui. De ce côté, ça a l'air d'être la sortie. Nouveau coffre ici aussi. Et là, c'est de là d'où je viens à l'instant. Oula. C'est ça? Oui. Il a une sale tête. Le cœur sur la carte.
oui, ça j'ai déjà fait. De toute façon, ça coûte 3 secondes. Et le cœur net, c'est toujours bien. Même quand on se bat contre un cœur. Bonjour, œil. Ah. Oh. Ça, par contre, oui, j'en avais déjà vu un autre. Je sais plus exactement où, mais j'en avais vu un autre. Vas-y. Dans. Dandara. J'ai du mal à t'atteindre pendant que tu es là-bas. Je sais, il est partout. Mais ici, la menace, le risque. Tu auras peut-être envie de te battre. Tu auras peut-être envie de t'enfuir. Attise le courage que tu as au fond de toi. Veille sur ton cœur. C'est dans les moments où l'on se sent faible que l'on montre véritablement notre force. Tu es courageuse. Ok. Royaume caché. Victoria, brûlure de lumière du sel. Quoi ? Oh non. Je ne voulais pas, désolé. Oh non. De nombreuses tentacules rouges et visqueuses brillent dans le noir. Impossible de voir d'où ils proviennent. Il en émane une puissante odeur féreuse qui se répand dans toute la zone. Ok. Au pot du deuxième dimanche. Une épreuve de résilience. Une dangereuse capacité se trouve au bout de cette voie. Elle peut faire beaucoup de mal. Mais à qui ? Seuls les forts devraient tenter leur chance. Seuls les meilleurs triompheront. Je sais pas, je dis oui. Ok. Pas dire oui, on dirait. Ah, X, ça me fait passer dans le monde normal, ok. Donc là, il y a bien le truc. Et l'autre, je l'ai vu ici, ok. Submersion. Alors ici, à la deuxième porte, oui, on va aller là. De toute façon, on sait pas trop où aller. Porte de l'exil. Voilà, j'en étais sûr. Ici. Ah non. Un peu plus par ici pour venir là. Pour je sais pas trop. Voilà. Tout ça pour ne pas pouvoir passer là où il y a les tentacules. Punaise. Oh.
Au secours, zone pourrie. Non. On va prendre un cœur, oui. Ah si, il y a quoi là-haut? Des caisses. Il y a une page rouge arrachée à un carnet sur le sol. Elle est couverte d'une belle écriture. J'aimerais tant regagner le village, mais il semble que je sois perdu à jamais. La gueule ne s'ouvre plus pour moi. Quand je m'en approche pour voir si elle va me permettre de passer, elle ne fait que se tortiller. Parfois, elle émet un rayon de lumière brûlante. Je suis resté bien trop longtemps à l'intérieur. C'est rassurant. C'est ça le mot. Ok, il y a des crabes qui peuvent aller sur toutes les surfaces. Ok, ça c'est ma dernière porte. Acte de méfiance. Ok, on passe. Non, ok. Si on passe par en haut. Ok, je pouvais pas passer par en bas. J'allais dire, vu qu'il y a le truc dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est de l'autre côté pour retourner. Trifurcation hésitante. D'accord, trifurcation. J'arrive du nord. Je suppose que si là, je vais là. Bonjour, monsieur le masque. Je ne peux pas, ok. Je peux aller. Oula. Oh, il y a un cœur là-bas en bas. Je vais d'abord visiter ici. J'aimerais bien trouver un point de sauvegarde quand même. Creux croulant. Ok. Donc il y a quand même une sortie. Bah autant sortir tout de suite, hein. Et on est dans la grosse structurée dans la partie comment ça s'appelle déjà ? Techno machin. Et potion de mana. Un filon de sel, utilisez-la pour récupérer votre énergie. Ok, j'ai fait deux ici, jusque là. Ah oui, j'étais pas allé à droite parce que c'était cette zone-là. Entrée de la capitale. Capitale de la de l'intention. Non, ok. Je voulais vérifier si ça me faisait des dégâts ou pas. Apparemment non. Ok. Et donc là... drapeau ici. On peut augmenter PV, mana... les PV surtout pour le moment. C'est critique. Voilà. Bon, ben, on a fait un boss. Enfin, on a réexploré une zone qu'on avait fait, mais avec des nouveaux pouvoirs. On a fait un boss. Et on a vu une zone très bizarre. Et voilà, on va voir ce qu'on en fait. Si on fait plutôt la zone technologique ou la zone dans l'autre monde. Je ne sais pas, je verrai après la pause. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Dandara, c'est une légendaire guerrière brésilienne apparemment. Regardez Wikipédia, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.